Je fais des kilomètres sur des routes en étant bordé à gauche et à droite de clôtures de 2 mètres. Je vois un sous-bois qui manifestement est impacté par des surdensités de sangliers invraisemblables et de cervidés. Et donc j'ai franchement l'impression qu'une région peut, par des pratiques pareilles, perdre son âme. Et que très singulièrement, la chasse qui provoque ces dérives perd elle-même son âme dans ce genre de stratégie qui, à mon avis, les conduit et la région et le monde de la chasse droit dans le mur. La chasse va souffrir de ça. La chasse et les chasseurs vont être critiqués, ça va finir par se savoir et on va être montré du doigt. Moi, j'ai pas envie d'être associé à ces gens-là.